vient d'écouter un extrait d'Une vie pour le tsar de Glinka. Glinka est considéré comme le père de la musique russe. Après lui viendra Tchaïkovski, qui reste très tourné vers l'Occident, même si certaines œuvres sont particulièrement russes. Écoutez par exemple l'ouverture 1812 qui s'ouvre avec la citation d'un chant orthodoxe. Dans la même génération que Tchaïkovski, on voit apparaître le groupe des cinq, qui sont cinq compositeurs russes, qui sont bien décidés à mettre toute la gomme sur un langage national russe donné à leur musique. Ces cinq compositeurs sont du plus vieux au plus jeune, Borodine, César Cui, Balakirev, Moussorgski et Rimski-Korsakov.